Katia Lusambo na yokindi kwa zalaki kumbondela yoka maloba na ye. Alléluia, shalom bien-aimé du Seigneur, shalom, shalom, shalom. Paix à toi qui nous suis maintenant durant ce temps. Je rends grâce à Dieu pour ta vie bien-aimé, toi qui t'es connecté à ce temps de grâce, à ce temps de miséricorde, à ce temps de miracle. Sous la couverture toujours de notre Père Abba, Achi, Abba, comme Marie. Je suis heureuse de te retrouver ce soir, bien-aimée, et je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Je bénis le Seigneur qui te permet d'être debout en cette heure de la nuit, en cette heure où nous traversons les couches spirituelles, en cette heure où nous prenons possession de l'atmosphère de notre vie, de notre environnement. Je bénis le nom du Seigneur pour ta vie, pour chacun des projets qu'il a pour toi. Alléluia. Alléluia. Bien-aimée, nous nous retrouvons encore ce soir. Autour, avec tous les saints anges de Dieu, avec notre saint ange gardien particulièrement, avec qui nous allons prier en ce soir. Nous allons prier avec lui afin de posséder cette nuit et également celui qui nous accompagne dans la conquête de cette année 2021. Donc, sans plus tarder, nous allons saisir de notre eau bénite et nous allons faire un signe de croix sur nous-mêmes, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et nous prions avec notre très saint ange gardien. Mon fidèle ange gardien, mon amour, protecteur de mon corps et de mon âme. J'ai bien passé cette journée et humblement, je te dis merci parce que tu as pris soin de moi. Tu m'as préservé de tout danger et de tout accident mortel. Merci encore, mon ange gardien. Et nous allons encore rendre grâce à Dieu. Nous allons encore dire merci au Seigneur, toujours avec l'intercession de notre très saint ange gardien, celui-là même qui était auprès de nous tout au long de cette journée. Et nous prions ensemble. Merci Seigneur pour toutes les grâces et pour toutes les faveurs que tu m'as faites pendant cette journée. Accorde-moi maintenant Seigneur la grâce de me souvenir de tous les péchés et des offenses que j'ai commises pendant ce jour. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, il est bon. Il est important et il est juste de savoir reconnaître devant le Seigneur nos fautes, nos péchés et nos iniquités. Le Seigneur te dit qu'en cette année 2021, le Seigneur te dit qu'il te livre cette année 2021. Il te donne cette année comme l'année de la conquête et il te livre Jéricho. Il livre tes ennemis en tes mains. Il livre Jéricho en tes mains. Et il te dit en Ésaïe 59 au verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Bien-aimés, ce passage nous enseigne que notre Canaan est juste à un pas de nous. Il nous suffit de faire ce pas de la miséricorde. Il nous suffit de faire ce pas de la réconciliation avec Dieu afin de pouvoir posséder notre année, afin de pouvoir posséder nos bénédictions. C'est pourquoi ensemble, nous allons implorer la miséricorde de Dieu sur nous. Nous allons prendre une position de repentance. Là où tu te trouves à cet instant précis, je vais te demander, bien-aimé, de te disposer, de laisser l'Esprit de Dieu te convaincre de cette faute que tu as commise, de laisser ton ange gardien chuchoter à ton oreille, te rappeler ce péché que tu as commis, afin que tu puisses entrer dans cette guerre complètement purifiée et avec Dieu de ton côté. Ensemble, bien-aimé, nous élevons la voix vers Dieu et nous prions. Seigneur, pour toutes mes omissions, ou négligence dans ma vie spirituelle, pour toute mauvaise attitude de ma part à l'Église, pour toutes les fois où au cours de cette journée, où j'ai été distrait volontairement dans la prière, pour tous mes manques d'attention aux choses spirituelles, pour mes résistances à ta grâce et à ta parole, pour mes jugements, pour mes murmures, pour les critiques, pour la désobéissance, pour mon manque de confiance en Dieu, et mon manque d'abandon à Dieu, je te demande sincèrement pardon, Seigneur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Et nous implorons encore la miséricorde du Seigneur. Seigneur, pour tous mes jugements hasardeux envers les autres,
pour mon attitude de mépris, pour mon attitude de haine, de jalousie, pour mes pensées et mes désirs de vengeance, pour les palabres, pour les disputes, les emportements, les mauvaises humeurs, pour les malédictions que j'ai proférées, pour les injures, les médisances, les railleries, les rapports, pour tous les dommages que j'ai causés, aux biens, aux affaires, au travail et à la réputation des autres, Yahweh, j'implore ta miséricorde en ce soir. Seigneur, je te demande encore pardon pour tous les mauvais exemples que j'ai véhiculés en tant que chrétien, pour les scandales et le manque de respect envers les autres. Je te demande sincèrement pardon. Yahweh, j'implore ta miséricorde parce que je refuse d'obéir à mes responsables. Je refuse d'obéir à ta parole, à mon époux. J'implore ta miséricorde, Seigneur Jésus. Je te demande pardon encore pour le manque de charité, pour le manque de zèle, pour le manque de zèle dans ton œuvre, pour le manque de zèle pour ton nom, pour le manque de zèle de l'annonce de l'évangile. Père, j'implore ta miséricorde. Je te demande sincèrement pardon, Seigneur Jésus. Les mains levées vers toi, Yahweh, je t'implore. Prends pitié et miséricorde de moi. Et pour le manque de fidélité, prends pitié. Pour tous les autres sentiments divers et confus que j'ai eu envers les autres. Oh Yahweh, vois combien mon cœur est plein de ressentiments envers mes frères et sœurs. Vois combien mon cœur est rempli de ressentiment, de rancœur envers mes frères et sœurs. Seigneur, je t'implore, prends pitié et miséricorde de moi. Prends pitié et miséricorde de ma vie. J'implore ton pardon et ta miséricorde. Et je demande encore à ta grâce de m'accorder la réconciliation et la réparation envers les autres. Bien-aimés, nous continuons d'implorer la miséricorde du Seigneur. Nous continuons de demander pardon au Seigneur. Nous décidons ce soir, bien-aimés, décidons ce soir d'implorer la miséricorde du Seigneur, de rentrer en nous-mêmes et de reconnaître qu'en nous, il n'y a rien de bon. Ô Seigneur Jésus, tout en moi n'est que vanité, arrogance, orgueil, mensonge, pensées impures et désirs mauvais. Toutes mes pensées, Seigneur, et mes paroles sont contraires à la pureté. Il n'y a en moi que colère, intempérance, impatience, vie sensuelle, paresse dans tout ce que je fais. Pour le manque de foi également, Seigneur, je te demande sincèrement pardon. J'implore ta miséricorde, Yahweh, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Seigneur Jésus, en ce soir, Seigneur mon Dieu, en ce soir, par les compassions du Christ, je t'implore, prends pitié et miséricorde de moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Et bien aimé, maintenant que nous nous sommes réconciliés avec Dieu, parce qu'il nous dit dans sa parole que si nous confessons nos péchés, il est juste et bon pour nous pardonner et nous purifier de toute injustice. Confiant de ce que nous avons reçu la miséricorde du Seigneur en ce soir, confiant de ce que le Seigneur en ce soir nous a lavé, nous a purifié de tous nos péchés, nous sommes désormais dans le camp de Dieu. Dieu est désormais dans notre camp et nous pouvons invoquer le nom de Jésus-Christ en notre faveur. Et ce nom-là agira pour nous, pour faire tomber les murs de Jéricho au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, les premiers murs de Jéricho que nous allons abattre en ce soir, le premier tour de Jéricho que nous allons abattre en ce soir, c'est le célibat. Le jour du célibat. Nous allons prier contre ces situations qui perdurent dans ta vie. Nous allons prier contre ces situations que l'ennemi a déposées sur ta vie tel un jour pour t'empêcher de connaître l'épanouissement, pour t'empêcher de connaître la joie et le bonheur de la vie de couple. Nous allons ensemble ouvrir notre Bible. En Exode 15 au verset 7, le Seigneur nous dit, par la grandeur de ta majesté, ô Dieu, tu renverses tes adversaires, tu déchaînes ta colère, elle les consume comme du chaume. Tu vas lever la main droite en signe d'autorité. Nous disons feu du Saint-Esprit trois fois et ensemble nous prions. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, ô Dieu. Toi, le Dieu qui répond par le feu, par ton feu, je commande maintenant que toute confrérie de sorcellerie, tout esprit mauvais, tout lien de famille qui combat mon mariage, frustre ma vie affective, soit consumé par le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'invoque ton feu maintenant pour frapper
toute confrérie de sorcellerie, tout milieu de sorcellerie, tout esprit des eaux, pour frapper maintenant tout code que l'ennemi active dans ma vie, pour me faire perdurer dans le célibat, pour me faire échouer dans la vie de couple. Par ton feu, Yahweh, je démantèle maintenant tout réseau de sorcellerie, tout réseau organisé en vue de me faire échouer dans la vie de couple. Père, je commande que par ton feu, tous ces réseaux maintenant soient décimés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité du nom de Jésus. Que ton feu maintenant consume chacun de mes ennemis, consume tout esprit de famille, consume tout homme fort qui s'est levé contre mon mariage et qui a décidé de me combattre dans la vie de couple au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le karandorobo shantara babababababa. Nous prions encore, bien-aimés. Nous prions encore. Tu as peut-être, par la grâce de Dieu, tu es entré dans le mariage. Par la grâce de Dieu, tu as vaincu le jour du célibat. Par la grâce de Dieu, tu as fait tomber les murs de Jéricho concernant ton mariage. Mais lorsque tu es rentré dans ton mariage, tu es rentré dans des difficultés. Tu n'as vécu que des difficultés jusqu'à présent. L'ennemi s'est assuré de baliser ta vie de couple. L'ennemi s'est assuré d'entretenir la souffrance dans ta vie de couple. Peu importe la base que l'ennemi utilisait pour contrarier ton mariage. Peu importe la base légale de péché que l'ennemi utilisait pour frustrer ton mariage, pour frustrer ta vie affective, par ta repentance, le Seigneur a répondu sa miséricorde sur ta vie. Alors l'ennemi, comme Jésus, tu pourras dire, l'ennemi n'a rien en toi. Toute base légale, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute base légale que l'ennemi avait trouvée dans ta vie pour attaquer ton mariage, pour frustrer ton mariage, nous proclamons par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth et par cette repentance sincère que toutes ces bases sont maintenant détruites par le feu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas proclamer, bien-aimé, tu vas proclamer que l'ennemi n'a rien en toi. Tout ce qu'il avait trouvé comme base de désobéissance, tout ce qu'il avait trouvé comme base de fornication, tout ce qu'il avait trouvé comme base d'impureté dans ta vie, tout ce qu'il avait trouvé comme base de mauvais caractère dans ta vie, par le feu du Saint-Esprit, nous cassons maintenant ces bases au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous répandons le sang de Jésus-Christ sur notre corps, notre esprit, pour effacer l'odeur du péché, pour effacer maintenant tout acte qui nous accusait, tout acte de péché qui nous accusait, tout acte de mauvais caractère qui nous accusait, et par lequel l'ennemi avait accès à nos vies, par lequel l'ennemi avait accès à notre mariage, à notre vie de couple, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous prions encore. Le Seigneur nous dit, en Ésaïe 8 au verset 10, et il s'adresse à tes ennemis, il s'adresse à toutes ces personnes qui combattent ton couple, il s'adresse à tous ces confréries de sorcellerie qui ont osé se lever contre ta vie de couple, contre ta vie de foyer, pour te faire échouer. Le Seigneur leur adresse cette parole. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Dieu est avec ton couple. Dieu est avec ton mariage. C'est pourquoi tu vas te lever. Et avec l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth qui t'a été donné, tu vas commander que tout ce que l'ennemi prépare dans le secret soit brisé. Nous disons Jésus trois fois. Feu du Saint-Esprit trois fois. Et nous prions Jésus. 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 Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Oh Dieu, Père Tout-Puissant, je m'élève en autorité cette nuit contre toute confrérie de sorcellerie, contre tout homme fort de la maison de mon père, contre tout homme fort de la maison de ma mère, contre tout occultiste ou féticheur, contre tout esprit des eaux, contre tout esprit de Tanoé, contre tout esprit des eaux connu ou méconnu, rassemblés pour établir des plans de discorde contre mon couple. Par le feu du Saint-Esprit, je jette la confusion au milieu d'eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne sauront pas d'où la confusion vient. Ils ne sauront pas d'où le feu vient. Mais je proclame et je déclare. Et je commande maintenant à l'univers d'obéir à ma parole maintenant. Qu'un feu descende du ciel. Qu'un feu descende du ciel et frappe mes ennemis de plein fouet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la confusion les disperse. Que la confusion les perde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'ils se retournent l'un contre l'autre. Qu'ils mangent de leur propre chair. Qu'ils boivent de leur propre sang au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père
Éternel, par ton feu maintenant, je localise et j'expose tout ennemi dans ma vie. Peu importe son nom, peu importe sa qualification, peu importe son lien avec moi, père ou mère, oncle ou tante, frère ou sœur, Père, je commande que ton feu maintenant l'expose au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le feu de Dieu descende maintenant pour détruire tout écran. Détruis tout satellite, détruis tout code, détruis tout miroir satanique que l'ennemi utilisait pour piller ma vie, que l'ennemi utilisait pour localiser ma vie et détruire ma vie de couple au nom puissant de Jésus. Père, je commande par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe l'origine de ce code, peu importe la forme de ce code, par l'autorité du nom de Jésus, par la puissance du feu du Saint-Esprit, ces codes explosent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Proclame que tu as franchi maintenant. Proclame que tu as franchi de tous ces codes. Proclame que tu as franchi de tous ces actes. Proclame que tu as franchi de tout vice, de tout péché que l'ennemi utilisait comme point d'achoppement pour attaquer ton couple, pour attaquer ton mariage dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore prier, bien-aimé. Tu vas encore prier contre tout ce qui fait obstacle à ton enfantement. Tu vas prier avec le psaume 33, verset 3. Nous ouvrons nos bibles au psaume 33, verset 3. Le Seigneur nous dit, et comme la rosée de l'Hermon et celle qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel a ordonné la bénédiction et la vie à toujours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Seigneur a ordonné la vie. Parce que le Seigneur a ordonné la vie. Bien-aimé, parce que le Seigneur a ordonné la vie à tes entrailles. Tu vas poser les deux mains sur tes entrailles. Tu vas poser les deux mains sur tes entrailles. Et tu vas commander maintenant que tout ordre contraire à l'ordre qui était donné par Dieu, à l'ordre de vie donné par Dieu, tout ordre contraire explose par le feu maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons Jésus trois fois. Feu du Saint-Esprit trois fois et nous prions. Jésus, 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 feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, tu proclames au psaume 33, verset 3, que tu as ordonné à la vie de retomber sur ma vie. Tu as commandé à la bénédiction et à la vie d'être avec moi. C'est pourquoi, sur la base de ta parole, qui est esprit et vie, sur la base de ta parole, qui est la seule vérité qui gouverne ma vie, je commande maintenant les deux mains posées sur mes entrailles, que tout ordre contraire de l'ennemi, tout ordre de stérilité, tout ordre de mort de mes entrailles soit brisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant que tout ordre de stérilité, tout ordre de mort de mes entrailles retourne à l'ennemi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant que cet ordre démoniaque que l'ennemi avait ordonné contre ma vie, que cet ordre se retourne contre eux maintenant au nom de Jésus, sous la forme de cancer, sous la forme de tumeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, proclame. Je suis comme une vigne féconde dans la maison de mon époux. Je proclame que je suis fécond. Mes fils et mes filles sont comme des plants d'olivier. Proclamons encore, bien-aimé. Le Seigneur nous a dit qu'il n'y aura point de femmes stériles dans la maison d'Israël. Sur la base de cette parole, je proclame sur ma vie que je suis bénie, que je suis féconde, que je suis fécond au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons encore prier, bien-aimé. Nous allons encore prier contre tout ce qui fait obstacle à nos finances. Nous allons prier contre tout ce qui fait obstacle à nos finances, à notre épanouissement financier. Bien-aimé, l'ennemi souvent retient nos finances. L'ennemi souvent combat nos finances pour nous empêcher d'arriver à un niveau d'épanouissement prévu par Dieu. Car notre épanouissement financier est également un reflet de la gloire, pour, de, la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous allons prier avec le psaume 71 au verset 13. Ce psaume déclare, ce psaume nous dit qu'il soit confus. Anéantis ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils soient couverts de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Bien aimé, tu vas commander maintenant que l'opprobre et la honte retournent à ceux qui te l'ont envoyé. Tu vas commander maintenant que tout ce qu'ils ont voulu contre ta vie, contre tes finances, retourne à eux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire Jésus trois fois. Feu du Saint-Esprit trois fois et nous prions. Un, deux, trois. Jésus, 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 feu du Saint-Esprit,
feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, par le feu de ton Esprit Saint, j'expose maintenant toutes les œuvres de mes ennemis. Contre mes finances, contre mes affaires, contre mon argent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par le feu du Saint-Esprit, je brise maintenant toute servitude sous laquelle je vivais. Je brise toute servitude financière qui me limitait. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu du Saint-Esprit, et rappelant à Dieu le souvenir de mes dîmes, de mes offrandes, de mon alliance avec lui, je commande maintenant que tout esprit qui est envoyé vers moi pour tuer mes finances, pour tuer mes affaires, retourne à l'envoyant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je commande au nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'il soit retourné comme des mendiants dans la rue, que toute leur vie ils mendient aux abords des rues au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, puisqu'ils avaient voulu faire de moi un mendiant, puisqu'ils avaient décidé de faire de moi une personne limitée, puisqu'ils avaient décidé de faire de moi une personne qui aura toujours la main tendue, je brise toutes ces œuvres sur ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toutes ces programmations sur ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je casse maintenant toute servitude financière sur ma vie et je reverse maintenant la situation en ma faveur. Je proclame et je déclare que mes ennemis sont sous servitude. Je proclame et je déclare que mes ennemis sont sous ma servitude maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame et je déclare que je m'assieds maintenant sur les finances de mes ennemis. Je possède les finances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le Seigneur me dit dans sa parole qu'il laisse le soin aux païens d'amasser les richesses pour les justes. Je proclame et je déclare que parce que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ de Nazareth. Je laisse maintenant mes ennemis amasser les richesses pour moi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous les biens qu'ils amassent, je les récupère, je les saisis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout bien immobilier qu'ils vont amasser, je dis je récupère ces biens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout salaire qu'ils auront amassé dans leur vie, je récupère cela en bonus sur mon salaire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande maintenant par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout esprit de sorcellerie reçoive le feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 alléluia, alléluia. Et bien aimé, tu vas plonger ta vie, toutes ces prières dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Père éternel, nous scellons toutes ces prières dans ton sang. Nous scellons toutes ces prières dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth et nous proclamons qu'aucune des paroles que nous avons lancées en cette nuit ne retourne à nous sans avoir accompli son effet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, amen, amen, amen. Et bien aimé, c'est ainsi que notre temps de prière s'achève et ensemble nous allons faire cette prière finale. En vue de protéger nos vies, en vue de garder nos vies, nos proches tout au long de cette nuit. Nous allons prier en communion avec les saints, tous les saints de l'Église. Nous allons prier en communion avec Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, avec Saint Basile. Nous allons prier en cette nuit afin de recevoir de Dieu la bénédiction. Alléluia, alléluia. Et nous élevons la voix ensemble, nous prions. Nous demandons la bénédiction spéciale de Dieu. La Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, notre ange gardien, mon Dieu, je te prie de me donner ta sainte bénédiction et la grâce de ne jamais t'offenser. Sainte Marie, je te prie de me donner ta sainte bénédiction. Saint Joseph, mon ange gardien, mon saint patron, donnez-moi votre sainte bénédiction. Assistez-moi par votre intercession pendant toute cette nuit. Assistez-moi par votre intercession pendant toute cette nuit. Mes saints patrons et patronnes et le saint patron de ma ville, je vous prie de me donner votre sainte bénédiction en cette nuit, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous prie également de m'accorder la grâce de la patience et de préserver notre vie de toute malheur. Vous tous, saints et saintes du paradis, demandez au Seigneur de me donner la grâce de bien vivre et de ne point mourir prématurément. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a racheté, du Saint-Esprit qui m'a illuminé, que pendant cette nuit, Dieu me garde du feu, de l'eau, de la mort subite, du coronavirus et de tout péril spirituel et physique au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore prier cette fois-ci avec notre eau bénite. Nous avons commencé avec l'eau bénite. Bien-aimé, il nous faut clôturer avec l'eau bénite. Et nous allons prendre cette eau bénite et faire le signe aux quatre coins de notre lit en l'aspergeant.
et nous prions, mon Dieu, par cette eau bénite et par le sang précieux de Jésus-Christ, ton Fils, fais-moi miséricorde, égale-moi de tout mal et de toute mort subite. Nous demandons, par cette eau bénite que nous avons aspergée aux quatre coins de nos lits, nous demandons que les quatre évangélistes, Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc, Saint Jean, se placent aux quatre coins du lit pour nous défendre contre nos ennemis, pour nous défendre contre tout sorcier, pour nous défendre contre tout mari et femme de nuit et contre le diable, pour nous défendre de toute attaque de mauvais caractère, de mauvaise humeur au réveil, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, Marie, Joseph, Joachim et Anne, je vous donne mon cœur, mon âme et ma vie. Mon bien-aimé Jésus, je te recommande mon esprit et je te le remets en tes mains, comme tu as remis ton esprit à ton Père sur la croix. Amen, amen, amen. Que le nom du Seigneur soit béni pour ta vie, bien-aimée, et que la grâce du Seigneur, la grâce de notre très cher Théotokos, te couvre tout au long de cette nuit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Na Ecclesia, ngai katia lusambo, na yokindi kuwa zala kikumbondela, yoka malubana yeye.